Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier CAPES de mathématiques, session 2016, numéro 21. Donc on va démontrer que 4 points sont coplanaires. Voici l'énoncé. Dans un tétraèdre ABCD, I, J, K sont respectivement les milieux des segments AB, BD et BC. Les points E et F sont définis par l'égalité vectorielle, vecteur AE est égal à 2 tiers du vecteur AJ et vecteur CF est égal à 2 tiers du vecteur CJ. Démontrer que les points I, E, F et K sont coplanaires. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors voici la figure proposée par l'énoncé. Alors, on va utiliser deux méthodes. Donc méthode numéro 1, méthode par centre de gravité. Alors, on remarque que J, milieu de DB, donc c'est le segment DB. Donc, AJ est une médiane du triangle, donc du triangle ADB. On sait que I, milieu de AB, donc DI, médiane du triangle ADB. On sait que AE est égal à 2 tiers de AJ. Donc AE est égal à 2 tiers de AJ. Donc ça veut dire que AE est égal à... Donc longueur AE est égal à 2 tiers du segment AJ. Longueur du segment AJ. Donc E, c'est le centre de gravité, comme il appartient aussi à AJ, donc médiane. E, c'est le centre de gravité du triangle ABD, donc du triangle ABD, ADB. De même, on peut montrer que F, c'est le centre de gravité de CBD, donc JC médiane du triangle BDC, CF est égal à 2 tiers de CJ. Donc F, centre de gravité du triangle BDC. Donc ça veut dire que les points DFK, donc DK, K milieu de BC, donc DK médiane du triangle CBD, donc KFD et IED. Donc ils sont alignés. Donc les KFD sont alignés et IED sont alignés. De plus, les droites IE et FK sont séquentes en D. Donc IE, FK sont coplanaires. Donc les points IEFK sont coplanaires. Donc ça c'est la première méthode. Méthode 1, donc par le centre de gravité. Alors maintenant on va aborder une deuxième méthode. Donc on va se placer dans le repère. Donc repère BC, BD, BA. Alors on va en fait se placer dans le repère. Ici, le repère qu'a donné l'élève numéro 1. Donc, c'est un repère de l'espace. Alors, on a les coordonnées de points suivants. Donc, B de coordonnées 0, 0, c'est l'origine du repère. A de coordonnées 0, 0, 1.
C de coordonnées 1, 0, 0 et D de coordonnées 0, 1, 0. Les points I, donc I c'est le milieu de, donc I, milieu de BA, donc BI est égal à 1 demi de BA, donc 0, 0, 1 demi. Pareil pour J, J, milieu de BD, donc 0, 1 demi, 0. K, 1 demi, 0, 1, 0. E, de coordonnées 0, 1 tiers, 1 tiers. Alors, comment vérifier cela? Et après, on pourra faire la même chose pour F. Et on sait que AE est égal à 2 tiers de AJ. Ici, il suffit de faire apparaître le vecteur BE, BJ, AB par la relation de Schall. Donc, AB plus BE est égal à 2 tiers de AB plus BJ. Donc ici, bah, BE est égal à 2 tiers moins 1 de AB. On fait passer le AB de l'autre côté, donc 2 tiers moins 1 plus 2 tiers fois, alors BJ, J milieu de BD, donc 1 demi de BD. Bien entendu, ici, 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers. Or, c'est AB, donc on veut BA. Donc, 1 tiers de BA plus, ici on peut simplifier, on a 1 tiers de BD. Donc, BA, c'est la troisième coordonnée. BD, deuxième coordonnée. Donc, ici, 0, 1 tiers, 1 tiers. Et F, bien c'est 1 tiers, 1 tiers, 0. Parce que ici, on a CF. CF est égal à 2 tiers de CJ. Donc, on va trouver alpha et bêta, tels que I, le vecteur IK est égal à alpha IE plus bêta IF. Et ici, on montrera donc que I, E, F et K sont coplanaires. Donc, on va rappeler les coordonnées. Alors, le vecteur IK a pour coordonnées donc 1 demi moins 0, 0 moins 0 et moins 1 demi. IE a pour coordonnées 0 moins 0, 0, 1 tiers moins 0, 1 tiers, 1 tiers moins 1 demi, moins 1 sixième. IF, donc ici 1 tiers moins 0, 1 tiers, 1 tiers moins 0, 1 tiers, 0 moins 1 demi, moins 1 demi. Donc ici, on va résoudre donc ce système-là. Donc 1 demi, 0 moins 1 demi, égale à alpha 0, 1 tiers moins 1 sixième, plus bêta 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers moins 1 demi. Donc ici, ce système, 1 demi égale à 1 tiers de bêta. 0 est égal à 1 tiers de alpha plus 1 tiers de bêta. Moins 1 demi est égal à moins 1 sixième de alpha plus moins 1 demi de bêta. Alors notez 1, 2, 3. Alors en 1, on a la valeur de bêta. Bêta est égal à donc 3 demi, donc on multiplie par 3 pour se débarrasser du 1 tiers. 3 fois 1 demi, 3 demi. 2, donc on va remplacer la valeur de bêta qu'on a trouvée. Donc 1 tiers fois 3 demi plus 1 tiers fois alpha est égal à 0. Donc ici 1 demi plus 1 tiers de alpha est égal à 0. Donc ici alpha va être égal à moins 1 demi fois 3, donc moins 3 demi. Donc alpha est égal à moins 3 demi, et on vérifie dans 3 si l'équation est vérifiée. Donc ici, moins 1 sixième fois moins 3 demi, moins 1 demi fois 3 demi. Donc ici on a 3 douzièmes moins 3 quarts. 3 douzièmes, 1 quart. 1 quart moins 3 quarts, c'est égal à
Donc 2 quarts moins 2 quarts moins 1 demi. Donc on a bien l'équation 3. Donc on a trouvé alpha est égal à moins 3 demi, bêta égal à 3 demi. Donc ici on a, alors bien entendu il faudra se référer à ça, donc Ik est égal à donc moins 3 demi de IE plus 3 demi de IF. Et donc IE, F, K sont coplanaires. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.